Salut tout le monde, c'est TaxeCraft et bienvenue pour un nouvel épisode de Fallout Shelter, le cinquième si je me trompe pas, oui le cinquième, bref voilà. Alors, j'ai fait plein de choses, bien sûr j'ai farmé comme d'habitude, donc j'ai rempli une première salle de personnes pour une centrale qui se met maintenant en fonction, donc on est large au niveau électricité, même si on n'est pas loin de la limite, mais vu que ça produit en continu en fait entre ces deux, ça, bah, ça équilibre vite la consommation. Ensuite, j'ai agrandi toutes les salles. Donc, voici les décors. C'est des niveaux 2. Oui, parce que le niveau 3 est à 9000 et j'ai pas encore acheté le niveau 3. Il est sympa le bar niveau 3. Il y a quand même du détail. Ça, c'est la salle d'endurance. Bon, je ne l'ai pas encore augmenté, mais elle sert pas à grand chose pour l'instant. Hein. Parce que l'endurance n'est pas vraiment utilisée pour dans le jeu à part sur certaines salles particulières. La salle école, entre guillemets la salle d'intelligence, qui est super sympa avec une sorte de petite souris. Enfin de. Non, c'est pas une souris, c'est un cochon d'âne plutôt. Voilà. La salle de perception avec les herbes, sympathique, avec une caméra, tout ça. Bien en profondeur, elles sont de. Ouais, vachement en profondeur, même si c'est un peu en 2D à certains endroits. La salle de sport et la salle de gymnase. Enfin, nous avons les douches dans le jeu. Nous n'avions aucune douche pour l'instant, hein, pour information. Hein. C'est le truc, voilà. Bon, j'ai agrandi, j'ai quelques salles. Évidemment, une attaque de râteau. Bah tiens, ça tombe bien. Bah, l'attaque de râteau, on va juste la faire vite faite. J'ai fait des personnages, entre guillemets, je suis en train de faire des personnages pour aller dans les terres désolées, etc. Parce que j'ai plus d'objets, voilà. Hop là, une boîte à ouvrir, ça tombe bien, il me la fallait. Il y a ce personnage et il y en a deux autres qu'on verra juste après. On a ces trois là qui sont des personnages, oui, ils ont la même tenue, hein, c'est pour ça. Mais ils ont des animaux ceux-là, bon, c'est le petit détail, hein. Mais ça fait, voilà, j'ai quatre personnes pour aller dans les terres désolées. Pour, enfin, quatre personnes qui sont... entre guillemets assez level, enfin surtout qui ont assez de comment s'appelle, je vais le mettre dans S, qui ont assez de stats global et élevé. Est-ce qu'il me reste de tenue? Oui, il m'en reste, parfait. Voilà. Ah oui, tiens, une information que je ne savais pas, les Mr. Handy ne se réparent pas, ce qui est complètement idiot, je trouve. Enfin, il devrait y avoir une salle de réparation, même level 101, 110, ça devrait être possible. Alors, nouvelle salle à déverrouiller aujourd'hui, nous avons la... Attendez, elle est où? Le coiffeur qui coûte 10 000, oui, bon, je l'ai fait dans l'autre partie, on l'avait vu sur le deuxième ou troisième épisode, je ne sais plus. Le coiffeur, hein, on l'a vu, je le referai, bien sûr, bon, il faudra juste farmer 10 000 craps. Bon, pour l'instant, c'est un peu dur, je pense qu'à partir de 70 habitants, ça va très vite au niveau des craps. Nous avons deux boîtes à ouvrir, magnifique, allez, c'est parti, une boîte, allez, hop. Boîte gratuite hein, que j'ai avec une mission à Steam Pack, ça sert à pas à grand chose. 100 craps, c'est utile. Une armure en cuir, ouais. Et une armure légendaire, non. Un Udada. C'est quoi ce bric-à-brac? C'est pour faire quoi, une arme nucléaire? Uniforme de soldat, ah, pas mal. Bon, les statistiques sont un peu globales, j'aime pas trop. Je préfère des statistiques focus. Ensuite, nous avons un gant de baseball, des craps, et de l'énergie, ça déborde. Tenue de comptable, ah, tiens, perception 4, c'est énorme. Et pour finir, Stephanie Frost. Si tu veux, avec une agilité que je peux encore augmenter, bah parfois ça fait encore du plus de monde dans le shelter, hein, enfin dans le bunker. Alors, la madame, on va la faire entrer. On va lui augmenter tout de suite son agilité encore à un niveau, au niveau maximum, ça servira. Alors, c'est quoi cette tenue? Ah, je peux pas voir encore. Agilité, c'est où? C'est là. Hop, on va lui mettre une petite arme comme d'habitude. Et j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Je peux même plus en crafter. Attendez, est-ce que j'ai eu assez de ressources? Non, je n'ai plus rien pour crafter des armes intéressantes. Donc, on va aller tout de suite faire une course à capsule. Donc, c'est une des missions. Petit temps de chargement assez rapide. Hein. On est sur un jeu mobile, faut pas oublier. Hein. On peut jouer sous PC que je préfère. C'est plus agréable, grand écran, etc. Hein, bien sûr. Bien sûr, je pense beaucoup à zoomer parce que dernièrement. Voilà, bon, ça fait 6 personnages, entre guillemets, bon, c'est le maximum qu'on peut avoir. Alors, bien sûr, j'ai oublié de parler, mais c'est que certains chats, il y a un chat qui donne, le chien donne, soigne plus vite le soin. Voilà, lui, il donne plus de capsules. Bon, c'est dans les terres désolées, mais je crois que c'est pris en compte. Bric-à-brac dans les terres désolées. On est dans les terres désolées, normalement. Voilà, bon, on voit que c'est instant. Hein. Les armes que j'ai, lui, j'ai le minigun qu'on avait eu la dernière fois. Et lui, j'ai un bête fusil, parce qu'en fait, la mission ne pouvait, pouvait pas prendre autre chose. Hop, level up, ça va être rapide.
un petit peu de crédit. Voilà, on voit que c'est vraiment instant, rapide. Là, au moins, on s'ennuie pas. Regardez, ta ta ta, un de moins. Grand coup de machin. Ah, là, c'est dynamique par rapport aux épisodes précédents. Ça, c'est du, c'est de la vitesse. Hein. Bon, il y a un petit temps d'arrêt, bien sûr, là. Voilà. Hop, un de moins, deux de moins, trois de moins. Voilà, plus personne. Merci, au revoir. Je regardais juste que j'ai tout récolté. Oui, il n'y a plus rien qui brille. Ah, il y a un petit truc magnifique. On va tout de suite par un bas. Ah, encore un level up, là. Bon, ça va vite. Il y en a un qui est level 50, donc il levelera plus. Celui qui a la tenue, l'ultimate tenue, etc. Il y a quelque chose derrière. Est-ce que je peux cliquer? Voilà. Une horloge, c'est toujours utile. Alors, des gens. Des gens, une qui a une machette. Elle est sympa, il est sympa le minigun. Ça fait penser au minigun de GTA. Voilà. Les petits chats qui attaquent, c'est trop mignon. Voilà, un de moins, deux de moins. Bon oui, lui, il lui faudrait une arme plus level up, mais en fait, j'ai l'impression que je me suis trompé de personnage, en fait. J'ai inversé les deuxièmes personnages. Oui, c'est bien ce que je pensais. Bon, c'est pas très grave, c'est que je me suis fait avoir par la tenue. Bon, ça arrive, hein. C'est un petit fail. C'est pas très grave. Encore une personne. Wow, par contre, le jeu est un peu buggé. Faut pas être entre les deux salles, ça marche pas. Voilà, un qui est déjà loupé. Hein. Ça va très très vite, j'ai même pas besoin de les soigner. Peut-être si un peu lui. Bon, j'ai ramené la dose de... D'habitude de ressources, parce que vu la vitesse qu'on les produit, c'est 8 par 8, hein, il est 35 maxi. Ça va extrêmement vite. Oh, elle fait un tourbillon, un petit coup et boum. Un ventilateur. Ah, j'ai oublié de l'ouvrir. Ensuite, bon, on fera ça au retour. Des insectes, bon, ça va durer 2 secondes. Hein. Voilà, on voit dans l'état qu'ils sont. Le waouh, le minigun est beaucoup plus puissant. Bon, il a 22-20 et ce truc a 17-19 fois. Il y a quand même une différence entre les deux. Hop là. On va retourner dans cette salle, j'ai oublié d'ouvrir. Ouais, on voit pas tout par contre, le problème c'est que c'est mieux des grandes salles. Hop là. Masse crédit. Hop là, on remonte, il court. Voilà, on voit que c'est c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant à commenter. C'est super, en plus il y a des chats, il y a des chiens, il y a tout. Je sais pas ce qu'il y a comme mob, comme entité, enfin comme animal. Ah là, il y a ce truc là, bon. Headshot. Non, pas du tout. Ça fait quand même beaucoup... Il a pris un peu de dégâts. Ah oui, par contre, il y a des radiations. Ça, j'aime pas. Normalement, lui, il devrait prendre jamais de radiation vu qu'il est dans une tenue machin. Ultimate attaque. Pour x3, c'est magnifique. Vous avez vu comme il était lent, juste x3 pour une fois. Ça, c'est rare. Hop là. Et là, normalement, il y aura deux qui ont deux ultimate attaques. Hein, parce que c'est les uns après les autres. Hein, des boosts. Regardez. Allez, hop. Voilà, lui, il est rapide. Hein. C'est peut-être en fonction de l'arme. Ouais, raté. Ah oui, je lui ai pas mis beaucoup de dégâts. Il devrait y avoir le troisième qui devrait se déclencher. Hop là, voilà. Bon, ça peut éditer. Voix 3, bouf. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. 1, 2. Ah, c'est bien la mission course aux claps. Je vérifie que j'ai rien oublié. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas revenir. C'est comme dans un jeu où... Ah, t'as oublié un coffre. Ah bah j'y retourne. Ça a du chat, cet épisode. Voilà, j'ai quand même pensé à... Oh bah ça sert à les soigner pour l'instant parce que c'est les radiations et bon, le fait, mais c'est pas très utile. Parce que le problème, c'est qu'il génère de la radiation en continu. Oui, bonjour, il n'y a rien d'autre. Heureusement que les animaux ne chopent pas des radiations. Bon, ça serait pas plus mal, je trouverais, parce que ça apporterait un peu de logique. Ah, pardon, j'ai oublié de cliquer. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus rapide hein, pour voir un bâtiment... assez grand. Rien du tout ici. Quelle arnaque. Pas si quelqu'un... Non, il n'y a rien dans le canapé. On peut monter. On va continuer tout droit. Ah, un coffre fort. J'espère qu'il y a de l'argent dedans. Du craps. Ah, ça va tellement plus vite. Le problème, c'est ce temps. Il faudrait qu'il soit décalé en ce temps. Voilà. Hop là. Hop, beaucoup d'argent. Bon, on a 800. Bon, c'est pas beaucoup, mais... C'est mieux que rien, surtout j'ai une mission, il faut ramasser 5000 craps. Oui. Bon, par contre, ils sont déphasés, là. Mais bonjour, vous pouvez vous accélérer. Ah, bah, ça y est, ce sont TP. On le voit pas, ils se TP. Faut pas le dire. Hop là, et l'avant-dernière salle, je pense. Non, la dernière. La dernière salle avec beaucoup, beaucoup de crédits. Voilà, course aux capsules. Ah oui, quand même, 3000. Ah oui, les deux derniers trucs, c'était pas la dernière note. Bon, on va rentrer. Rentrer à l'abri, oui. Rentrer à l'abri. Et je sais pas si je peux pas les accélérer parce qu'avec tout ce que j'ai en UKQ là.
J'en achète jamais, mais franchement, il n'y a même pas besoin d'en acheter. Hein. Moi qui serais dit pour la série, je vais peut-être en acheter pour le bien. Mais non. Allez, boum, une. Récolté, boum. Parce que oui, j'en ai 25 et pourtant j'en avais. Ouais, c'est juste qu'avec toutes les missions que je fais. Ah, on va bientôt avoir des salles en fait. La salle va servir à quelque chose. Eh, le chien qui arrive en premier. Eh, je suis arrivé en premier. C'est beau, c'est magnifique. Bah, si on reportait pour une nouvelle mission. Attendez, je vais juste regarder autant d'épisodes que je suis. Et je vais juste avant la mission. Je pourrais 5 emplacements dans les terres désolées. Ah, ouais, celle-ci elle est pas très intéressante. On passe. Ah non. Ok, ça double-clic. Je vais à 5 attaques de ghouls sauvages sans qu'il y ait de victimes. Ok, ça c'est plus facile. Parce que ça arrive de temps en temps. Bon, je regarde juste le temps des épisodes qu'on est. Hop, c'est bon, j'avais pas vu, on est qu'à 10 minutes, enfin je peux pas le savoir. Aucune, voilà, je remplace le personnage que j'ai inversé, hein, parce que ça sera mieux, parce que lui il a beaucoup plus de stats élevés. Et je lui mets juste le chat que je viens d'inverser, et voilà. Donc c'est Donald, mais je crois que les deux s'appellent, non, il y a Donald. Faut penser que c'est Donald, voilà. Ah, attaque de pillard, magnifique, bon, ça va être rapide, hein. Toutes les forces, hein, ce sont où? Lui, toi, monte en haut, enfin monte le plus haut possible. Toi, monte en haut. Il est où le dernier? Il est là. Là, 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 je vais mettre toute la puissance brute que j'ai. Les meilleures armes que j'ai, surtout. Bon, il m'en manquait une arme rare. Oui, bon, évidemment, tout le monde se met à se promener. Limite, j'aurais pu les monter d'un étage, là. Vu le temps qu'ils mettent. Vu le temps qu'ils mettent. J'ai mis une porte renforcée, hein, ça se voit. La porte, ah, ça y est, elle est en fait péter. Mais normalement, il devrait se rencontrer. Il y a manqué un, il est où le dernier? Il est où? J'ai perdu le dernier. Oui, bonjour, ça serait peut-être le moment de combattre. Ah non, il est là. Un, deux. J'en ai deux, il en manque un. Ah, il manque le moustachu. Il est où, moustachu? Bon, voilà, on voit que ça fait headshot, hein. Ça prend 2 secondes. Et on voit que les armes, ça a beaucoup plus de cadence ici. Ils tirent beaucoup plus souvent. La belle arnaque. Voilà, fini. Bon, c'est magnifique. Et il en manque un. Bon, je le retrouverai parce que je pense que c'est celui qui a le plus de level up. Ah, bah, il est là. Magnifique. Attends, mais par contre, ça, c'est long des mains. Hop là, des claps. Une tenue, vendre parce que je m'en sers pas. Ou je les démonte plutôt. Faudrait mieux que je les démonte. Plus intéressant. Est-ce que je peux crafter un truc avec ce que j'ai récupéré? Je crois pas. Non, toujours pas. Il me faut des... C'est quoi? Pour les tenues, c'est du... Soit des machins comme ça, soit du scotch. Du scotch. Le fameux scotch qu'on a dans tous les jeux de craft. Sauf dans Minecraft. Non. Alors, on va faire une nouvelle quête. Course aux tenues. Oui, pourquoi pas. Niveau 20 requis. Je sais pas s'ils ont tous niveau 20. Lui, il a niveau 20, ça passe. Et... Il est où? Ah lui. Ah non, c'est pas le bon. C'est Donald. Ah, ils ont pas niveau 20. Zut. Oui, j'ai que des niveaux. C'est qui les autres? J'arrive pas à retenir. Faudrait que je les renomme, quoi, pour que ce soit plus simple à identifier. Ouais. Lui, il est niveau 20, mais c'est le mauvais personnage, entre guillemets. Bon, on va l'annuler. Ah bah. Ah bah si. What? Je l'avais pas vu. Hop là. Hop là, le dernier. Il est où? Celui qui a beaucoup de stats. Je crois qu'il a pas level up en fait. Est-ce que je peux faire retour? Ouais, je peux faire retour sans en étant sauvegardé. C'est lequel lui? Ah oui, il est niveau que 11. Oh bon, c'est pas grave, on part sans lui. Hein. Enfin, on va prendre plutôt une autre mission. Ah oui, d'accord, non, ça le reset bien. Niveau 8. Ok. Non, c'est... Ah d'accord, niveau 21, ça passera pas. Niveau 20, niveau 8, niveau 15. Qu'est-ce qu'on peut... Prérequis. Ok, non, on va pas éviter ce prérequis. Je vais surtout partir sur des... niveau 20 encore. Ah, c'est le problème. Niveau 6. Niveau 12. Attendez, il est level combien exactement? J'ai pas vraiment vu. Il est en train de se réentraîner, je crois. Il est là. Niveau 11. Zut. Je me suis fait troller. Alors, on va aller plus loin. Niveau 12, n'est-ce pas? Magnifique. Niveau 20, laisse tomber. Niveau 13, mes tenues de soirée, j'en ai pas. Niveau 8. Voilà, bon, ça ira très bien. Voilà, j'avais pas vu. Alors, on va mettre force. Enfin, on n'a pas les spécialités globales, donc il y a lui. Ah non, c'est pas le bon. Je m'y ferai jamais, faut que je change de tenue.
Voilà, je les ai sectionnés, boum boum, et commencer la quête, parce que ça coûte qu'un Nuka Cola. Je peux profiter, de toute façon, j'y vais pas pour le Nuka Cola, j'y vais vraiment pour tout ce qui est bric-à-brac, parce que j'en ai plus, et j'en ai vraiment besoin, et surtout pour l'argent. Et Nuka Cola, franchement, vu tout ce que je gagne avec les missions. Ah, waouh, j'avais jamais tombé sur ce bâtiment. Ok. Et ça fait une sorte de. Évidemment, toujours le verre est cassé sauf une vitre, hein, toujours. Magnifique. Allez hop, on rentre. De toute façon, la première salle, il n'y a rien, sinon ça brillerait. Ça brille. Voilà donc le personnage avec maintenant un fusil amélioré. Hein. Oh, il y a un piano. Ah non, c'est pas un piano. J'ai cru voir un piano, mais pas du tout. On peut pas récupérer ce ventilateur moche? Non, non, pas possible. Et cet horloge? Non. On met pour récupérer le décor. Ah d'accord, on peut directement level monter tout en haut. Bon, je vais pas le faire parce que sinon, c'est pas très intéressant. Ah, grande salle. Avec bah déjà du Nuka-Cola, ça c'est fait, ça a remboursé mon aller. Voilà, on monte, on monte, on monte. Hop, on monte en étage. Normalement, on n'est jamais rentable au fait du Nuka-Cola quand on fait des missions avec sa accélération, évidemment, c'est normal. Ça c'est la mécanique du jeu. Ah bah voilà, je vais pouvoir commencer de crafter de nouvelles armes. Parce que je n'ai plus. Qui est le chef ici? Je vote pour moi. Le mec! Allez hop là, débarrassez-vous de ça. Voilà, merci, au revoir, c'est mignon. C'était rapide. Un fusil en carton. Ah, je peux cliquer ou pas? Voilà. Ah bah du scotch, ça tombe bien, j'en ai besoin. Je peux directement sauter cet ascenseur. Oui, c'est un bug, je pense. Qu'on oublie de sauter les ascenseurs. Ah bah des insectes. Mission très facile, hein. C'était une mission de niveau 8, mais surtout pour level up le petit monsieur que niveau 11. Je pense que j'enverrai dans les terres désolées. En hors caméra. De toute façon, on va pas regarder ça en hors caméra parce que ça peut durer des heures, vraiment. Là, les insectes qui se compactent. Ah, ça c'est mignon, c'est gentil. Hop là. Hop, bah rien du tout dans cette salle. On monte en haut. Bah, ça va, c'est extrêmement rapide, hein, on le voit. Bon, le bâtiment était pas très grand non plus. Ah, des monstres un peu plus difficiles. Plus intéressant. Bon, presque difficile, je veux dire. On le voit, hein, c'est. Voilà. Deux. Trois partout. Deux. Et un de moins. Voilà, c'était rapide, c'est beau, c'est beaucoup plus dynamique en tout cas. Il n'y a pas besoin de faire des entre guillemets des timelapses d'accélération. Bon, c'est quand même marrant voir ta 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 ta, ta. J'aime moi personnellement. Bah, vous y aimez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bien sûr, la série s'arrêtera vers, je pense, vers les 100, 150 habitants, on verra. Je viens de faire une série de 300 épisodes sur ça. Mais je voulais le faire, en plus j'ai. Bon là j'ai trouvé d'autres jeux intéressants à faire en vidéo. Vous inquiétez. Le mec! Il a changé de salle! J'avais jamais vu. Le truc l'a tellement. L'a expulsé, il lui a fait un fousseau dans les couloirs. Ah! Vous êtes l'escouade de sauvetage, j'espère bien. Non, non. Je suis maintenu, les ghouls sauvages ont capturé certains d'entre nous. Je pense qu'elle garde pour se faire un encas. Une femme, Paula a réussi à s'échapper, c'est ma nouvelle héroïne. Paula a-t-elle dit où elle allait? Elle partait visiter l'abri 333. Ça fait. Ça en fait des 3. Oui. C'est bien bêtise de faire des bacs comme ça. Allez hop là, 3 Nuka-Cola. Bon voilà, on voit que c'est. Ah si, c'est rentable, j'ai rien dit, j'ai mal parlé. Et y a rien. Oh là. Ah non, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose dans la dernière salle. Oh, j'ai pas vu. Là, le bâtiment, il est quand même pas si moche. Bon, évidemment. Oui. Oui, de toute façon, c'est de la logique de jeu vidéo, hein. Là, il y a une fenêtre, il y a une porte, et là, il y a des fenêtres. Mais oui, il y a une salle ici, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je regarde s'il n'y a rien qui brille, ça n'a pas l'air, j'ai pas oublié de corps sur la route. Allez, allez, on rentre à l'abri. Et on va s'arrêter là-dessus, ça va une petite vidéo. Rentre à l'abri, on peut rentrer en boost, hein. J'aurai un bonus de Nuka-Cola. C'est pas le plus rentable, mais c'est. Ouais, non, je peux les rentrer. Allez, je vais les laisser rentrer, ça sera plus rentable. Oui, de toute façon, je crafterai ça hors caméra. De toute façon, il faut que je farme du crédit. Même si j'ai déjà 5000 crédits, hein, ces missions, c'est assez intéressant là-dessus. Allez, hop. Bon, ils vont rentrer. Oh non, attendez. Je vais plutôt aller faire entrer, comme ça j'irai faire explorer celui-là. Allez, hop, ça sera plus intéressant. Sinon, ça dure quelques secondes. Du Coca-Cola, j'en ai encore 26, hein. Encore 26, voilà. Ah bah voilà, on voit que j'ai fait la moitié de cette mission et le reste. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un truc un peu bas niveau. C'est parce que j'ai un petit peu forcé la main au, à l'accélération des trucs et ça crée. Je veux que ça crée un petit peu d'incendie.
Alors, c'est de l'avant. Allez, en entraînement. Non, non. Lui, il a quoi comme stat? Il lui manque du S. Eh ben, il va partir. Ah non, lui, il va rester là pour l'instant. Lui, qu'est-ce qu'il a comme stat qui manque? Il manque bad. On va le mettre. Attendez, est-ce que je sélectionne le bon? Non, je ne sélectionnais pas le bon, heureusement. Je vais lui finir. Bon, on va le faire dans l'ordre. Allez, hop, S. Et lui, il manque aussi. Ah ben, il manque rien du tout. Il manque de l'endurance. Et tiens, il est un petit peu irradié. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport aux autres. Peut-être sa tenue qui le protège pas. L'endurance. Ah bah tiens, la salle n'est pas occupée normalement. Ah bah oui, ça le dit max. Endurance. Pouf. Ah non, ça c'est intelligence. Zut! Vous n'avez rien vu. Il est où? Ouais, le mec. Il est plus vite que je croyais. Endurance, ici. Voilà. Et hop là. Et le petit dernier, il va partir en promenade dans les terres désolées. Avec le minou pour ramasser plein de choses. Ce minou rapporte. Oui, c'est lui qui rapporte du bric-à-brac. Ça tombe bien, j'en ai plus. Hop là. 30. Hop là, maxi, et paf, on envoie. C'est de l'autre côté. J'aime quand ça fait ça. J'adore, voilà. Bon, on a fait quelques petites missions. Les missions, il y en a énormément. J'en ferai de temps en temps avec vous, pas tout le temps, parce que c'est qui sont pas très intéressants. Signal, lançant, ok, oui, c'est pas... Les missions très simples, j'essaye de faire les missions les plus intéressantes. Quotidienne niveau 20, faut surtout qu'il atteigne le niveau 20, hein, c'est surtout ça. Il va partir. Bon, allez, à plus, à la prochaine. Bon, petit épisode, on fait plein de choses. On n'a rien construit parce que il faut des sous. Je pense pouvoir le construire dans le prochain épisode. Oui, parce que je vais gagner du Nuka Cola, je vais gagner ça aussi. Bon, allez, à plus, à la prochaine. C'était Zex de Grave.